Bah salut, c'est Vincent de Bottibol. On est à la Cigale. Ce soir, je tiens le rideau pour Cocoon. Et voilà, donc j'ai sorti un EP sur Aiko Records en janvier. Et je vais présenter quelques chansons. Il y a de la guitare, il y a du piano, il y a de la voix. Voilà, c'est plutôt folk, on va dire. They meet at noon in the square. Get back to your first time. Alors, on m'a donné plein de mauvais conseils en musique, des gens qui n'en font pas mais qui savent exactement ce qu'il faut faire, enfin qui croient savoir. Et l'excès d'assurance est un défaut qui ne concerne pas que la musique, mais voilà, qui peut être en tout cas un peu, qui peut pas être, qui peut être un peu assez mauvais, on va dire, assez néfaste. Voilà. Grand-mère, Dan Sylvestre. Oh là là. j'ai pas écrit de. Ah si, j'ai écrit une chanson sur le premier album qui s'appelle Born from a Shore, sur Arudy, qui était le village où vivaient mes grands-parents. Et est-ce que j'ai écrit sur d'autres membres de ma famille? Ouais, sur mon oncle aussi, j'ai écrit une chanson sur la mer. Voilà. Anne Sylvestre, je connais pas bien, je suis désolé. Désolé. Mais je connais très bien les grands-mères. Voilà. Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres, puisqu'on n'a pas tous les jours l'occasion de jouer à la Cigale, devant une salle comble, donc 1500 personnes, je crois. Voilà, donc ça, c'est un jour pas comme les autres. Ça va me permettre de présenter du coup des chansons du dernier EP qui est sorti en janvier, qui s'appelle Duel. Et voilà, bah, j'espère vous y croiser. Enfin, ce soir. Enfin, l'interview va être publiée a posteriori, donc ça n'a pas de sens ce que je dis. Mais peut-être plus tard, je sais pas, dans une salle aussi comble, peut-être de taille plus modeste, on verra. Souvenir, pour moi, ça serait la première fois que je suis venu à La Cigale, puisque c'est là qu'on est aujourd'hui, pour voir un concert de Grizzly Bear. Voilà. Donc c'est un peu marrant de. Je crois qu'en première partie, il y avait Saint-Vincent. Donc c'est un peu marrant de refouler. Les planches, mais de l'autre côté. Voilà. Donc aujourd'hui, pendant ce concert, je vais notamment jouer des chansons d'un EP qui est sorti il y a un mois environ. Donc c'est aujourd'hui à peu près. C'est un EP qui a été enregistré au studio du Manoir, dans les Landes, dans la forêt. Et je pense que ça se ressent sur le disque. Ce sont des chansons avec beaucoup d'espace et qui sont relativement calmes. Et que j'espère charger quand même, charger d'émotions et d'histoire. Et voilà, donc ça reste, ça, on va dire pop, puisque je mets quand même pas mal l'accent sur des mélodies. Et puis il y a quand même un côté très folk, pour le côté acoustique. L'avenir, ça va être un album enregistré l'an prochain avec mes musiciens pour Bottibol. J'espère encore au studio du Manoir. Ça va être regarder grandir mon fils Victor dans un monde que j'espère pas dominé par la peur. Enfin, ça en prend le chemin, mais disons qu'en France, bientôt, on a une échéance qui nous permettra de dire si oui ou non on est un peuple replié sur lui-même. Et puis ensuite, l'avenir, qu'est-ce que ce sera? Ça va être aussi des tournées, un disque qui va sortir avec un autre groupe à moi qui s'appelle Petit Fantôme. Et puis un enregistrement encore avec un autre groupe à moi qui s'appelle Radiator. Voilà. I don't wanna hear what they have to tell. So I'm waiting.